Et se rendre compte que je ne tournais pas. Une youtubeuse de qualité en plus d'être une streameuse totalement ponctuelle. On réalise mon devoir de cinéma ensemble, prise 1, ça tourne. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude et qui va peut-être vous motiver à faire vos devoirs. On est actuellement le mercredi 5 octobre et j'ai un devoir à rendre le vendredi 7 octobre. Donc je suis à la limite de ma deadline et je ne l'ai pas commencé. Je suis dans la merde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi tout simplement pour faire un peu comme une sorte de backstage de la réalisation de mon projet, mais aussi pour pouvoir vous parler de l'aspect cinéma, du lycée en général et de tous ces petits sujets que j'évoque pas forcément en vidéo parce que seuls, bah, ils ont pas grand intérêt à avoir une vidéo entière à leur sujet. Du coup, voilà, armez-vous de café et de patience parce qu'on risque d'en avoir pour un petit moment. Et c'est parti. Le devoir que je dois rendre, c'est en gros faire ma présentation sous forme d'une vidéo qui doit s'inspirer du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, donc avec à peu près les mêmes codes, on va dire, dans le script, et les mêmes plans, la même écriture. Je me suis dit que j'allais quand même remanier un petit peu ça à ma sauce, histoire que ce soit un petit peu plus original. Je tiens pas à faire exactement comme le réalisateur du film, même s'il est très sympa. Le film, pas le réalisateur. Et encore, le film, j'ai vu que le début. Pour faire ce projet, j'ai essayé de le diviser en plusieurs étapes. J'en ai actuellement 6 qui sont notées sur mon plan. Tout d'abord, je vais vous expliquer le principe du projet. Ça a été fait dans l'introduction. Ensuite, on va écrire la voix off en organisant aussi les images et les vidéos que j'ai récupérées parce que du coup, le but, c'est de faire une présentation. Donc, je vais revenir un petit peu sur mes passions d'enfance, comment s'est déroulée mon enfance, etc., etc. Ensuite, on va tourner les plans qui va me manquer. Donc, par exemple, pour illustrer une idée, quelque chose. Ensuite, on va faire la voix off. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'enregistrer, on va pas seulement la préparer, on va directement l'enregistrer sur le micro. Ensuite, on s'attaquera au montage et enfin, on aura le résultat final. Dit comme ça, on dirait que c'est méga organisé, je sais pas du tout comment je vais me démerder. Bon, j'ai déjà commencé à récupérer des photos et des vidéos de mon enfance, du coup, qui étaient stockées sur un disque dur, et je les ai transférées sur mon PC qui est devant moi. Ça, c'est fait. On n'a pas à s'en occuper. J'ai commencé aussi la rédaction d'un très court texte pour à peu près savoir ce que j'ai envie de dire dans ma voix off, mais ça va vraiment être de laisser erreur. J'ai pas envie de me limiter à écrire un script hyper détaillé. Je vais écrire un script qui va devoir me dire les points principaux que je dois évoquer, mais je ne vais pas écrire mot à mot ce que je vais devoir dire. Alors, il faut savoir que dans mon lycée, du moins, en seconde, il y a une option cinéma du coup qui est une sorte d'introduction. Donc on y réalise des projets, on fait des ateliers, etc. Enfin, je sais pas, je l'ai pas fait, mais apparemment ça se passe à peu près comme ça. Donc il y a des organisations d'ateliers, ils écrivent des scripts, ils produisent des films. Alors bien sûr, cette vidéo, ça a aussi pour but de vous informer s'il y en a certains d'entre vous qui veulent prendre ces spécialités. Comme ça au moins vous saurez un petit peu plus à quoi vous attendre et peut-être que si c'est pas du tout ce à quoi vous attendez, vous allez peut-être vous orienter dans autre chose. La spécialité, je viens vraiment d'entrer dedans, donc je vais essayer de vous dire ce que j'ai retenu jusque là et ce que ça m'a apporté, ce que j'aime pas, bref, voilà. Alors l'aspect cinéma, c'est vraiment une spé qui est un peu, je trouve, décalée des autres spé. C'est pas seulement un cours renforcé où vous allez du coup approfondir un sujet. Par exemple en SVT, on approfondit
les sujets qu'on a déjà vus, entre gros guillemets. Alors, de ce que j'ai vu, en tout cas, je fais pas l'aspect SVT. Mais par exemple, je sais qu'en LCE AMC, donc en anglais monde contemporain, j'approfondis simplement ce que je vois en cours. Voilà, donc c'est de l'approfondissement pur et net. Là, le souci, c'est que le cinéma, on n'en a jamais réellement fait. Du coup, c'est tout un apprentissage. On part vraiment de zéro. Vous allez apprendre les bases, donc le plan, le cadrage. Il va y avoir aussi la lumière, le son. Bref, on va vous apprendre à peu près toutes les grosses bases pour produire un film, parce que du coup le projet de Terminal, c'est réussir à produire un script et à produire un film qui sera du coup le film de Terminal, on l'appelle, et du coup ce sera votre bac entre guillemets. Alors je peux pas trop vous dire exactement comment ça fonctionne l'aspect cinéma, vu que je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres lycées. Personnellement, on fait pas mal d'analyses d'ouverture pour l'instant, on est vraiment sur l'ouverture, les prologues, etc. On analyse des films, on analyse des séquences, du coup, combien de plans rapprochés, combien de plans moyens, combien de plans d'ensemble, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça, pourquoi le cadrage est fait comme ça, est-ce qu'il y a des éléments géométriques dans le plan qui en fait sont extrêmement importants pour le déroulé de l'histoire, les couleurs, le son, bref, on analyse vraiment bien. On fait les cours en fonction des détails que les élèves relèvent du coup de ce qu'ils voient. On fait aussi beaucoup de culture cinématographique, par exemple j'ai eu une sortie de une journée dans un cinéma où j'ai vu deux films d'art et essai. L'un était le premier long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Lucas Delangle. Et le deuxième film, c'était un film d'art et essai, encore une fois, qui avait eu beaucoup de succès cet été. Et ça s'appelle La Nuit du 12. D'ailleurs, si vous aimez les thrillers policiers, vraiment, allez le voir, il est vraiment génial. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je suis pas trop film policier, mais j'ai adoré. Bref, voilà à peu près en quoi consiste l'aspect cinéma. Vous allez avoir sûrement des ateliers, des sorties, on va vous fournir de la culture cinématographique, on va vous fournir des outils pour pouvoir travailler et produire des choses, et vous allez devoir du coup vous exercer à la prise en main d'une caméra, du son, etc., etc. Voilà en gros. Du coup, on revient sur mon devoir, j'avais déjà écrit quelques petites lignes. Je pense que je vais pouvoir réussir à finir mon texte, et une fois que ça se sera fait, on pourra du coup enregistrer la voix off. Alors dans le déroulé de la réalisation de ce projet, je ne vais pas enregistrer la voix off après avoir fait les plans. Je vais faire l'inverse parce que du coup en fait dans la voix off j'ai sûrement enlevé ou rajouté des choses. Et du coup il va me falloir certains plans et du coup à ce moment là je saurai exactement quoi filmer. Que vous vous rechargiez et que je finisse mon texte, mon café est froid, le script est du coup fini, maintenant il me reste plus qu'à l'enregistrer sur Adobe Premiere Pro, et une fois que j'aurai fait ça, bah, je verrai tout simplement le rendu, comment est-ce que je vais aménager ça, les photos, les plans qui me manquent, etc., etc. Et je pense qu'on aura fini d'ici une heure et demie, peut-être deux heures, et le temps de faire le montage, voilà. Parlant de ça, je ne sais même pas si cette vidéo va réussir à sortir samedi, étant donné que du coup j'ai deux vidéos à monter. Donc je pense que ce soir je vais bien m'amuser, ça va être sympa. Comme vous l'avez vu, j'ai fini d'enregistrer la voix off. Là maintenant, je vais la récupérer de mon gros PC à mon PC portable, où je vais la dérocher et du coup observer ce qu'il me manque comme plan, comme image, comme photo aussi. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Là déjà, on a fait le quart, peut-être le tiers du devoir. Donc franchement, ça va, on avance très bien. Je pense que si vous n'avez pas été là, je l'aurais fait en 2-3 jours. Mais là du coup je le claque en une après-midi et en plus je vous produis du contenu. J'espère en tout cas que ça vous plaît et que voilà, vous kiffez un peu cette vidéo, vous me voyez travailler. Aussi au niveau du lycée, j'ai vu que j'avais reçu quelques messages en me demandant comment est-ce que ça se passait. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je suis somme toute dans une bonne moyenne générale. Les cours se passent bien, les profs sont cool pour la plupart. Donc écoutez, c'est plutôt un bon point, vraiment je suis assez contente. Du coup voilà, j'essaye juste de me focus un peu sur mes notes, etc. Parce que bon, le bac arrive, hein, quoi qu'on en dise. On sait tous que d'ici deux mois, j'aurai totalement lâché l'affaire et je ferai au talent. Mais c'est pas grave, laissez-moi faire croire aux gens que je suis une élève sérieuse. Voilà.
mon montage, j'en ai eu pour pratiquement, 2-3 heures. J'ai pas vu le temps passer. Je m'y suis mise vers 10h30, il est 13h39, donc du coup là ça fait 3 heures du coup que je bosse sur mon devoir. Après réflexion, du coup, il ne sortira pas sur YouTube pour la simple raison qu'il est très personnel et que il y a certaines photos que je ne veux pas leak sur internet, d'accord? Je ne peux pas vous poster ça. Donc pour des raisons logiques de sensibilité et de protection quand même un minimum de mon image et de ma dignité sur internet, même si bon, depuis quelques années je me suis assise dessus, je ne vous posterai pas la vidéo sur YouTube. Comme beaucoup de fois quand je fais un projet en cinéma, au début je suis toujours très mitigée par rapport au résultat final, et en fait ce qui m'aide beaucoup c'est de voir l'ensemble et non pas juste certains éléments qui ne me plaisent pas. L'ensemble est plutôt bien, d'accord, il y a des cuts qui sont trop rapides, d'autres qui sont trop longs, mais c'est normal, c'est mon deuxième travail en cinéma, donc je ne suis pas mécontente de moi, je suis même plutôt fière de ce que j'ai réussi à faire. Bref, voilà, donc j'attends de voir un petit peu les travaux des autres, mais moi je suis plutôt satisfaite, j'ai quand même fait un lourd travail de recherche au niveau des photos, etc. Et des vidéos aussi, parce que du coup je suis allée chercher des vidéos sur mon Twitch et vraiment je suis assez contente. Vu qu'on en parle, si vous ne me suivez toujours pas sur Twitch, je vous mets tous les liens en barre d'infos avec mon Discord, mon Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, je stream quand même assez régulièrement dessus. Et du coup voilà, je pense que je vais vous laisser avec l'outro de cette vidéo que j'ai déjà enregistrée parce que je me suis dit je ne sais pas du tout à quelle heure je vais finir. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je vous laisse avec la Emily du passé, mais du coup c'est celle du futur de la vidéo. Je vous laisse avec l'outro. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu un petit peu vous éclairer au niveau de l'aspect cinéma, que vous aurez aimé me voir un petit peu travailler, que ça vous aura un petit peu motivé aussi pour faire vos devoirs, je sais pas trop, voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront un petit peu plus travaillées. Là j'avoue que je suis un peu prise par tout le travail que j'ai à faire et du coup j'essaye de vous faire des vidéos en rapport avec mon travail, comme ça au moins je peux quand même faire des vidéos même si j'ai beaucoup de devoirs. Bref, voilà, j'espère quand même que ça vous plaît un petit peu, ce sera pas un concept qui reviendra souvent mais peut-être encore une ou deux fois dans l'année. En tout cas, j'ai adoré vous faire cette vidéo, c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous parler librement de mon lycée, de mon apprentissage, etc. au niveau de la vidéo, du son, de la créativité aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, si je n'ai pas été assez claire, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas que vous êtes unique et n'oubliez pas aussi de prendre soin de vous, c'est très important. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye !